Alors, Kate, on fait quoi quand on arrive à la station? On attaque et on prend tout. Votre IDN fait de vous des disques de données ambulants. On vous transfère toutes les données et après on efface tout. Et l'évacuation des survivants? Soyons réalistes. La station ne répond plus. Elle a été attaquée par le groupe armé le plus actif du secteur. Il n'y a probablement aucun survivant. Kyle, on approche du relais de communication. Il est bien protégé. Occupe-toi de ce relais. Ces fils de pute ne doivent plus communiquer entre eux. Kane, on est en train de couper les communications. Où êtes-vous? J'ai un visuel sur la station classifiée. Il y a des immortels absolument partout. Je vous envoie le nouveau point de rendez-vous. On arrive. C'est bon ici? C'est terminé. La structure est instable. Ça peut s'effondrer à tout moment. Fais gaffe, Henrik ! Le bâtiment va s'effondrer ! Gaffe où tu marches ! Donc on écrive tué par une tempête sur ta tombe ? Cet endroit tombe en ruine. J'ai du mal à croire que des gens y vivent.
sont toujours sur place. Ils essaient de récupérer tout ce qu'ils peuvent avant la tempête. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Tuez-les avant que la tempête ne s'en charge. Classifiée.
Ok. Voyons un peu à quoi on a affaire ici. Qu'est-ce qui a fait ce trou ? Quelque chose a fui en vitesse. Kane ? Peut-être des explosions de bots des 54i. Ouais, si ça avait explosé vers l'intérieur. Mais c'est l'inverse. Il y a quelque chose droit devant. Préparez-vous. Le combat est terminé. Vous entendez ? Il y a quelqu'un là-dedans. Il faut qu'on ouvre cette porte. Allez. Inutile d'y aller en force. Parfois, il suffit de frapper. Putain de merde. Éteins-moi ce truc. Imaginez-vous dans une forêt enneigée. Oh, putain. C'est quoi cette merde, Kane ? Je fais une recherche. Le refus de réincarnation. Pratiqué par Jay Jong. Un homme de main des immortels. Cette méthode d'exécution est réservée à leurs pires ennemis. Effectuée quand la victime est encore en vie. Oh non, ça sent pas bon. Quoi ? Il y a autre chose ? Les disques de données. Ils ont disparu. Les vidéos de surveillance, les rapports, les débriefs, tout ce qu'on devait télécharger est effacé. Un document d'un site classifié de la CIA. Il fournit un rapport quotidien des activités mondiales de la CIA. S'il est diffusé... Ça compromettra les opérations de la CIA dans le monde entier. Que dit le tracker du disque ? Les biodômes. Le centre des opérations des 54 immortels, où se trouve la fratrie qui est à leur tête, Gomin et Gogyulan. Allons chercher nos disques pour leur montrer un peu. Je crois pas que les immortels aient tué ces gens. Les portes étaient défoncées de l'intérieur. Vous les avez vus comme moi. Ils sont jamais entrés dans cette pièce. Alors qui a réussi d'après vous ? Je veux dire, qui d'autre aurait pu y avoir accès ? Les dernières opérations enregistrées de cette station impliquaient une unité Black Ops de la Corps. L'équipe de John Taylor. Quoi ? Vous croyez qu'ils ont un lien avec ces meurtres ? C'est impossible, Kane. Écoutez, je connais Taylor. Il s'en serait jamais pris à son équipe.
sait exactement où il se trouve. Kane dit que ces gars ont disparu dans la nature. Ils ont dû trouver un moyen de désactiver le traçage IDN. Parano, là. J'ai lu son dossier. Elle en a vu de dur, des missions qui ont mal tourné. Et elle s'en est toujours sortie. Je crois qu'elle est réglo avec nous. Les meurtres, le nettoyage de la station. Tous les signes montrent que l'équipe de Taylor est impliquée. On a servi avec ces gens pendant 5 ans. On les connaît. Ils pèteraient pas les plombs. C'est les immortels. C'est leur façon de procéder. Taylor, les immortels. En tout cas, ils ont pris les disques de données. Quand on aura réussi à les récupérer, les vidéos nous éclaireront. Hendrix, t'as des contacts ici. Tu peux nous rapprocher d'Ego ? Il y a un dealer qui bosse avec eux, Danny. Les 54 immortels n'ont jamais été aussi forts. Les forces armées de Singapour, la CIA. Quadro modifiable mode assaut.
Moi aussi, je crois. L'escouade robotique active le mode assaut. J'espère que vous avez localisé ces disques de données, Kane. Ça commence à chauffer par ici. C'est fait. Dans la salle des serveurs de la montagne de nuages. En plein cœur de leurs opérations. On parie très bien que Yolan va dans cette direction. On a détecté des alliés du CDP droit devant. On dirait que la NRC est en ville. Vous vous foutez de moi ? Genre, ils sont en vacances ? Dans cette direction. On a détecté des alliés du CDP droit devant. On dirait que la NRC est en ville. Foutez-moi ! Genre, ils sont en vacances. Repeat!
Abritez-vous! On doit s'occuper de cette tourelle. On ne bougera pas tant que cette tourelle sera pas à chef. Aidez-moi! Pitié!
fusillé. Trouvez une entrée cachée pour la montagne. Dernier étage. On va pouvoir monter. Dispersez-vous. Ah.
Les choses ressemblent. Évacuation à mon signal. Au sommet du biodôme au-dessus de la montagne de Blas. Deuxième étage. Évacuation à mon signal. Au sommet du biodôme au-dessus de la montagne de nuages. La dame du sol déclassique est confirmée. Bien reçu. Ok, on va où, Kane? La salle des serveurs est juste au-dessus. Dépêchez-vous, on a coincé Xulan. Elle va utiliser la seule monnaie d'échange pour nous. Les informations des pistes de données. Il est chaud ce passage, hein. Passerelle en dessous.
en a trop là-haut. À déchiffrer les disques. Les données atterrissent sur un serveur public. La moindre info contenue sur ces disques ira directement au CDP. Il faut qu'on la descende. La console de contrôle est verrouillée. On fait quoi ? C'est un lecteur biométrique. Scannez sa main. Utilisateur authentifié. En attente de la deuxième saisie. La deuxième saisie ? C'est quoi cette merde ? Attention, des renforts arrivent vers votre position. Les deux saisies doivent être interchangeables entre le frère et la sœur. C'est pas sérieux. On est à court de temps et d'options. Utilisateur authentifié. Bonjour, Merco. Veuillez présenter votre main pour la deuxième saisie. Ok, Hendrix. Connectez-vous à la console. Je dois utiliser votre IDN comme canal pour le transfert. Pardon ? Faites-moi confiance. Il faut qu'on fasse un transfert accéléré et effacer tout sur ces disques. Comme ce qu'on a fait pour les données de la station classifiée des quais. Je vous conseille de pas me flinguer le cerveau, Kane. Promis. Mais vous risquez de voir des choses désagréables. Hendrix, ça va ? Il va bien. Ouais, au deuxième étage. Passe à l'attaque. Descendent de la dame.
Fichez le camp. On effleuchera les données quand vous serez de retour à la base. Appareil en approche pour extraction. Arrivé dans 15 secondes. Ennemi en approche. Il est touché. Attention à l'impact. Plancé. Plancé. Kane, c'est râpé pour l'exfil. On passe en protocole tertiaire. Echo 3. Confirme. Allez au marqueur. Quai des 54i. Vous devez détourner un de leurs bateaux. Ça, je crois que c'est des arbres qu'il faut sauter de... C'est des arbres qu'il faut sauter dessus. De... Je sais pas. Ils vont me dire, je crois qu'il faut servir du grappin et tout. Oh. Continuez. Vous devez sortir de là. On y va! On doit à tout prix se tirer de là! À terre! Préparez-vous! Reviens, je pense, et continue! On part à l'intérieur! Reste de l'extérieur! On nous signale des 54 qui rejoignent votre position avec l'appui des rapaces! Cet arbre incliné nous servira de passerelle! On y va!
signale que les immortels affluent vers votre position. Mettez-vous aux tourelles, je pilote. Mince, j'ai cru que c'était un ennemi. Vous avez intérêt à foncer, Cade. Ça va, Hendrix? Ouais. Mieux que jamais. Et Kane, est-ce qu'elle va bien? Tu crois que l'équipe de Taylor a tué nos gars? Qu'est-ce que t'as vu, Hendrix? J'ai vu que dalle. Voilà ce que j'ai vu. Ah ok. Trop bien la mission.